C'est pas que j'ai, c'est pas c'est ma face ou quoi, mais partout où je vais, je me fais offrir du pot. C'est bien fucké, partout où je vais, mais fait, tout le monde me donne des joints. Puis le pire, c'est que moi, je fume pas. T'sais, tout le monde a de l'air à penser que je fais le fumer de pot. Partout, tu sais, je pense aux douanes, puis le douanier fait comme tu dans les fumer un bat. Partout, puis le pire, c'est ça, je fume pas. Moi, le pot, c'est bien fucké, mais quand je fume, je viens agressif, je viens parano, puis je veux crisser une volée à tout le monde. C'est bien weird aussi. Puis j'ai tout le temps été de même. T'sais, première fois de ma vie que j'ai fumé, c'était en secondaire 1. J'avais 26 ans, puis j'étais... Non, j'avais secondaire 1, tu sais, j'avais 12 ans, je m'en vais d'un party, mon chum Pat est là, il y a un joint, puis là, il me dit, « Attends-tu de fumer un joint? » Moi, j'ai la chienne, fait que je dis non. Fait qu'il m'a traité de fif. Fait que j'ai dit oui, parce qu'à 12 ans, te faire traiter de fif, c'est un hostie d'argument. Moi, 12 ans, là, tu me traitais de fif, t'aurais pu me convaincre de faire n'importe quoi, là. T'sais, c'est vrai, t'aurais pu arriver et faire comme « Moi, t'es trop fif pour c'est mon pénis. » J'aurais fait « Je vais te le montrer, je suis pas fif, vas-y. » Ben, c'est qui là? Fait que là, Pat allume le joint. Prends une puff, ça a de l'air bon. Prends une autre puff, il trippe. Ça a de l'air le fun, il trippe, il est bien, il relaxe. Il me passe ça. Moi, je goûte à ça, ça je m'étouffe. Ça goûte la marde, ça sent le dessous de bras, j'aime pas ça. J'y passe ça. Lui, il trippe, il est bien, il relaxe. Il me passe ça. Moi, pas bien, il commence à être étourdi, commence à être parano, puis je trippe pas. Puis plus lui, il avait de l'air heureux, plus moi, je voulais calisser une volée. C'était, ça me rend, je viens fou quand je fume, c'est pour ça que je fume pas. Puis il y avait l'autre fois, parlant de potes, j'ai vu à TV la musicographie de Richard Marx. Je sais pas si vous vous rappelez de Richard Marx, tu sais, chanteur des années 80, il avait une coupe, ben il y avait toutes des coupes longueuilles, là, mais lui, il avait la rive sud au complet. Il y avait... C'était lui qui chantait Right Here Waiting, qui était, tu sais, le Wherever you go, whatever you do, I will be right here waiting for you. Mais, merci d'applaudir, mais c'est de la merde, cette tune-là. Mais merci. Non, mais c'est de la merde, mais c'était cute. Moi, je me rappelle, honnêtement, quand j'étais petit, je l'aimais, cette tune-là. Puis je me rappelle, tu sais, dans les années 80, tout le monde trouvait cette tune-là cute. Tu sais, aussitôt qu'on entendait ça, tout le monde faisait comme « Oh! C'est beau! » Parce que c'était une petite chanson cute. Puis lui, il a dit, la manière qu'il écrit cette chanson-là, c'est en fumant un joint. C'est qu'il a fumé un joint, puis les paroles, puis la musique de Right Here Waiting sont sorties tout seul. Puis là, moi, j'écoutais ça, puis je me disais, il me semble que j'aimerais ça, être capable de faire ça. Tu sais, j'aimerais ça, dans mon show, avoir un numéro de même. Tu sais, un numéro cute de même, qu'à place de rire, le monde ferait comme « Oh! » Puis j'ai le goût de l'essayer à soir. Je vais vous faire un numéro cute, un peu à la Richard Marx. Que, à place de... Là, tu seras pas là parce que je suis en train de l'écrire. OK. Bah, non. C'est ça, ça va être un numéro cute à la Richard Marx. À place de rire, vous allez faire comme... Oh! Puis moi, après, je vais aller manger une poutine. OK, bah. Donc là, ça va être un numéro cute. Puis il va s'appeler... J'aime le monde parce que le monde est beau. Parce que, tu sais, ces autoroutes, les pancartes, surveillance aérienne. Surveillance aérienne. Ben oui, c'est un cave. Je te crois, il y a de la surveillance aérienne. Ben oui, il y a un policier dans le ciel qui fait du radar. Hein, ben oui. Il a parké son avion, il est à côté sur un nuage, puis il nous attend, c'ti. Les pubs de char. Tu sais, les pubs, genre de Civic. Louer un Honda Civic, seulement 179 par mois. Tu vois ça? C'est comme, Chris, c'est pas cher, je vais aller louer ça. T'arrives là-bas, c'est comme 422, c'ti. C'est 179 avec un léger dépôt de 17 000 piastres. Puis là, t'as le vendeur qui fait comme assez normal, tu sais, des frais de transport, de livraison. T'es pas obligé de le livrer. Le Christ de charge, je vais venir le chercher, esti! Les pubs de Subway. Subway nous font à croire que si on mange du Subway, on va maigrir. Ben oui, le gros, bourre-toi en face dans le pain, tu vas être maigre au bout. Hein? Tout le monde sait, pain, pâte, patate, c'est ça qui rend maigre. Puis le monde font comme, ben non, c'est le gros cave de Jared dans les annonces, il maigrit avec ça. Garde Jared avant. Il pèse 800 livres. Il mangeait 30 repas par jour. Il se pourrait en face de tout. Il mangeait n'importe quoi. C'était un raton laveur. Il mangeait McDo, Burger King, Harvey's, Wendy's. Chris, il mangeait le carton. Il mangeait Pizza Hut, Kentucky. Pour lui, de l'agrévé, c'est un breuvage. C'était...
Un porc. Quand t'es là en camping, c'est les ours qui cachaient leur bouffe dans les arbres, si. C'est sûr qu'en mangeant moins, il a maigri. Moi, je suis un fumeur. Ben, je suis un ex-fumeur. Je viens d'arrêter de fumer. Puis j'ai trouvé ça dur. Puis ça fait 1000 fois que j'arrête de fumer. Puis ça m'a pris du temps à arrêter de fumer. Puis j'haïssais ça. Être un fumeur. Mais il y a une chose que j'haïssais encore plus que d'être un fumeur. C'était les hosties de non-fumeurs qui venaient me voir quand j'avais une cigarette dans la gueule. Donc, tu sais, les non-fumeurs qui vont voir les fumeurs qui ont une cigarette dans la gueule pour leur dire que c'est pas bon pour la santé. C'est comme si les fumeurs, on était des caves, puis on le savait pas. Tu sais, comme si ça allait faire comme, c'est pas bon pour la santé, le fumeur allait faire comme, vraiment, c'est pas bon! Après, tu me l'as dit d'avance. Puis là, ils te sortent plein de statistiques. Hein. Ils font comme, oh, chaque cigarette que tu fumes, ça l'enlève 5 minutes de ta vie. C'est sûr, mon Christ de mon gueule, ça me prend 5 minutes à fumer, esti! Pourquoi? Pourquoi ils trouvent jamais de remède à rien? C'est quoi la dernière maladie qu'ils ont guéri, qu'ils ont vraiment guéri? C'était le scorbut. Ça fait... Moi, j'ai provoqué. Je suis diabétique. En 1921, ils ont découvert l'insuline. En 2005, qu'est-ce qu'on a? De l'insuline. Puis la raison pourquoi ça change pas, c'est que la compagnie pharmaceutique qui fait de l'insuline font un produit. Ils font tellement de cash. Il y a personne qui peut trouver un remède. Ils font 6 milliards par année avec un produit. Fait que si toi, tu trouves un remède, tu viens de fucker leur business comme si tu venais de leur voler 6 milliards par année. Moi, tu me voles 1000 piastres, je vais te crisser une volée, esti. Imagine que je fais à quelqu'un qui me vole 6 milliards. 6 milliards, je le tue, esti. Je le tue, j'engage quelqu'un pour le réanimer, puis je le tue une deuxième fois. Le monde qui font des plaintes au poste de TV. Ça, j'ai jamais compris ça. Moi, à chaque fois que je passe à la TV, il y a tout le temps des bonnes femmes ou des petites grosses qui envoient des lettres au CRTC. Puis c'est tout le temps des petites plaintes stupides, genre « Ah, oh, Mike Ward, c'est pas une bonne influence sur ses enfants de 10 ans. Je suis pas supposé être une bonne influence sur ses enfants de 10 ans. Je suis pas passe-montagne, moi, esti. Je suis pas pimpon le pompier, genre, je pas si innocente. » Les taxes scolaires. Je paye des taxes scolaires, moi. Pourquoi? Je vais-tu à l'école, moi? Non, aussi. Tu as des enfants qui vont à l'école? J'ai pas d'enfants. Moi, je pense aux voisins qui ont des enfants. Quand je m'en calisse de mes voisins, je m'en calisse encore plus, là, petit mongol. Sérieusement. J'aurais un message, mon voisin. Okay? Prochaine fois, tu fous ta petite grosse, là. Viens ici, ça bédaine, tu vas me sauver 300 piastres par année, esti. Les pédophiles, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé dans les années 2000, mais on dirait que les années 2000 sont devenues les années de la pédophilie. Chaque fois que j'allume la TV, il y a tout le temps un nouveau pédophile qui ressort aux nouvelles. Puis des crises, il y en a eu plein de connus. Il y a eu Dave Hilton, il y a eu Guy Cloutier, Michael Jackson. Moi, je comprends pas Michael Jackson. Comment il fait trouver des victimes encore dans les années 2000? Ça fait depuis 94 qu'on sait qu'il aime les petits gars. Quel genre de parents... Tête molle, laisse son jeune coucher chez Michael Jackson. Non, c'est vrai, si moi je suis sûr, le père de la victime, va être comme, non, si Michael, c'est un bon gars. Tu sais, dans le temps qu'il y avait un singe, le singe était bien traité, je suis sûr, mon jeune va avoir le même traitement. Mais oui, ton jeune, il est pareil que le singe, lui, avec Astor, il a le cul rose, tu sais, il y a du monde qui disent qu'on devrait castrer les pédophiles, leur enlever les couilles. Moi, je trouve qu'ils ont raison, mais il y a de quoi dans le corps. À place d'enlever les deux couilles au pédophile, t'en enlèves une, puis t'en remplaces par une batterie que tu connectes à l'autre couille. Comme ça, quand tu pognes une érection, il va pogner un asti de choc. Puis pour tester les batteries, t'envoies des agents doubles. Tu sais, des nains déguisés en enfants faire leur agace. Ça marcherait, tu sais. Il devrait ramener la loi œil pour œil. Dent pour dent, œil pour œil, dent pour dent. Tu me voles quelque chose, je vais te voler quelque chose. Tu couches avec ma blonde, je vais coucher avec ta blonde. Tu scrapes mon char, je vais coucher avec ta blonde. Tu sais, comme Guy Cloutier est déjà sorti de prison après tout ce qu'il a fait à Nathalie Simard. Il a abusé de quelqu'un de 35 ans de plus jeune que lui sur une période de 12 ans. Puis ça y aurait pris un bonhomme de 91 ans qui l'encule jusqu'en 2016. C'est ça que ça aurait pris.